dit dans ça, quand il dit ça là, ça veut dire que il est en train d'expérimenter. Ouattara plus la CDA plus la France de Macron, ils sont en train d'expérimenter ce qu'ils vont faire en Côte d'Ivoire au Sénégal. Vous comprenez, non? Vous comprenez, non? Macky Sall suspend les élections. Il dit il n'y a pas élection. Quelqu'un, il dit il n'y a pas élection. Il n'y en a pas. Et actuellement où on parle, normalement les Sénégalais devraient être en campagne. À l'heure où on parle, les Sénégalais devraient être en campagne électorale, présidentielle. Macky Sall a suspendu ça hier. Et il dit il n'y a pas élection. Les États-Unis ont dénoncé. Et les États-Unis demandent à Macky Sall de donner très rapidement une nouvelle date des élections. Mais ça c'est fait diversion. La CEDEAO a validé. Ambalo a validé. Chers camarades d'Afrique, je vous lis ce que la CEDEAO a dit. Mais on est dans un monde qui n'est plus sérieux. Je vous le dis depuis longtemps. Le monde n'est plus sérieux. Je vous lis le site de la CEDEAO. Il a décortiqué deux minutes. Après, il a dit ce que le peuple doit faire. La commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest prend note de la déclaration prise par les autorités sénégalaises de reporter les élections présidentielles prévues le 25 février 2024. La commission de la CEDEAO exprime sa préoccupation quant aux circonstances qui ont conduit au report de l'élection et lance un appel aux autorités sénégalaises à accélérer les différents processus afin de fixer une nouvelle date pour l'élection. La commission exhorte en outre l'ensemble de la classe politique à prioriser le dialogue et la collaboration pour l'organisation d'une élection transparente, inclusive et crédible. La commission de la CEDEAO salue le président Macky Sall pour avoir maintenu sa décision antérieure de ne pas briguer un autre mandat et l'encourage à continuer de défendre et de protéger la longue tradition démocratique du Sénégal. Voilà ce qu'ils disent. C'est-à-dire que dans un premier temps, ils expriment leurs préoccupations quant aux circonstances qui ont conduit au report. C'est-à-dire que les circonstances, c'est-à-dire qu'ils apportent un crédit au prétexte, aux alibis de Macky Sall, aux alibis qui ont permis à Macky Sall de s'engouffrer dans la brèche par rapport à Karim Watt pour suspendre les élections. Ils approuvent ça et ils sont d'accord avec ça. Et ils aiment ça. Il n'y a pas élection au Burkina Faso, il n'y a pas élection au Mali, et il n'y a pas élection au Niger. On va voir ce que la CEDEAO Badjoubro va faire. On va voir ce que vous allez faire. On va voir qui va venir s'arrêter devant nous. On va couper sa pile. On va tout faire. Lui qui avait s'arrêter devant nous pour dire Mali n'a qu'à organiser l'élection. On va tout faire. On va tout faire. Donc, voilà la réalité, chers camarades. Et que dit Ambalo? Ambalo, ça ne vous étonne pas. Ça ne vous donne. Pour Ambalo, là, les enfants vous étonnez. Vous-même, vous avez ça, non? Ah ouais, d'accord. Donc, partagez. Parce que je suis là, mon cœur est gâté. Ok, you're mine. Ambalo dit, j'adresse mes sincères félicitations au président Macky Sall du Sénégal pour la sage décision prise ce 3 février après concertation du report des élections présidentielles, ceci dans le but d'aller vers des futures élections plus inclusives, plus justes et plus crédibles. Voilà ce que Ambalo dit. Ambalo, lui, valide d'office. Lui, il est d'accord avec ça. Lui, il encourage ça. Lui, il soutient ça. Sans ambiguïté. Mais ce qui arrive, aujourd'hui, je vais parler un peu. Très important, parce qu'il faut que je parle un peu. J'ai une position, mes peaux même. Parler. Il faut que je parle un peu, sinon c'est pas bon. En réalité,
En réalité, j'ai dit au peuple sénégalais, peuple du Sénégal, Macky Sall, la seule solution, c'est de le chasser. J'ai dit, la seule solution, c'est de le chasser. Mais le peuple sénégalais ne m'a pas écouté. Ils ont écouté leur stratège bidon, leur stratège Waworo, leur stratège Kodjougou. Aujourd'hui, qui a raison? Aujourd'hui, entre vos stratèges et moi, qui a raison? Je vous ai dit, la seule solution et l'ultime solution, c'est de se lever et aller chasser Macky Sall. Ils m'ont dit non, on est en train de faire une stratégie. Si on sort, Macky Sall va se maintenir. Bon, vous n'êtes pas sorti, oui, Macky Sall est maintenu, non. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autre mot. C'est un coup d'État. C'est un putsch. C'est un putsch. Je vous l'ai dit. Donc, maintenant, le putsch est consommé par la CEDEAO. Son ministre, gouverneur général, a démissionné. Son ministre gouverneur général a démissionné. Et les États-Unis lui demandent de fixer une date. Et voilà. L'Union africaine, c'est suivant. L'Union africaine va valider. Et puis, c'est fini. Bon, chers camarades. Moi, je suis plus qu'optimiste. Moi, j'ai la ferme conviction que le peuple sénégalais peut relever ce défi. Mais ce que le peuple sénégalais doit faire, je le disais, ne comptez pas sur quelqu'un, comptez que sur vous-même. Aujourd'hui, on oublie tout. On oublie tout. Voilà la solution que je préconise pour le peuple sénégalais. Actuellement, là, on oublie tout. Tout, on oublie tout. On demande la libération de Sonko. Voilà. On oublie tout. On demande la libération de Sonko. Et l'éligibilité de Sonko. Est-ce que vous comprenez ça? Tiens, l'homme a trop mouillé maillot pour Sonko ici. L'homme a trop mouillé maillot pour Sonko. L'homme est sorti dans le froid pour Sonko. L'homme a bravé tout ici pour Sonko. Hein? On a trop mouillé maillot pour Sonko. Donc, il faut qu'on oublie tout et on sort pour demander la libération de Sonko. Ça veut dire un. Dans demander la libération de Sonko là, quand on voit qu'on a la capacité, on a l'occasion de chasser Macky Sall, on va dire à lui. C'est-à-dire que dès qu'on sait que de la manière de sortir, on peut prendre Macky Sall, on va le prendre dans sa maison. Est-ce que vous comprenez ça? C'est que dès que le peuple sort, il faut une révolution populaire au Sénégal. Une révolution populaire. C'est-à-dire que dès que le peuple sort, pip, on s'en va derrière Macky, on va le prendre. Mais quand on a une occasion de mettre fin à un conflit, de prendre la victoire sur l'ennemi, et qu'on recule devant cette occasion-là, on la paye cash. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit occasion ratée, c'est péché. Et ce péché-là qui paye cash, occasion ratée, c'est péché. En 2021, le Sénégal a eu l'occasion de chasser Macky Sall. Ils ont raté l'occasion, ils ont laissé. En 2023, dans un premier temps, le Sénégal a eu l'occasion de chasser Macky Sall. Ils ont raté l'occasion. Voilà maintenant que le Sénégal est en train de payer cash. Il faut vous lever pour aller chasser Macky Sall. C'est la seule solution. Il faut se lever pour aller chasser ce vieux maudit. Ben, il veut se maintenir. Et donc, je le disais tantôt que Ouattara veut expérimenter ce qu'il a envie de faire en Côte d'Ivoire au Sénégal. Je l'ai dit. Vous comprenez ça? Je l'ai dit. Donc, nous, Ivoiriens, aujourd'hui, là, nous, Ivoiriens, on a le même problème que les Sénégalais. C'est Gbagbo qui est notre candidat. On dit que Gbagbo, son nom n'est pas sur la liste électorale. Voilà. Et puis, il y a les Ivoiriens qui ont tendance à accepter ça. Nous, on ne peut pas accepter ça. Nous, les vrais Ivoiriens, nous, les patriotes, on n'accepte pas ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, les Ivoiriens, qu'est-ce qu'on doit faire? Allez, là. C'est simple. Il faut commencer la lutte dès maintenant. C'est pourquoi
je lance ici solennellement, le début de la révolution populaire en Côte d'Ivoire. Je lance ici solennellement le début de la révolution populaire en Côte d'Ivoire. C'est le samedi 2 mars 2024. Samedi 2 mars 2024. La révolution populaire va s'ouvrir en Côte d'Ivoire à partir de Roi Gaillot. Je répète solennellement pour que chacune puisse comprendre et que les gens, les uns les autres puissent se préparer. La révolution va commencer contre Draman Ouattara. Le mars 2024 là, on va commencer la révolution contre Draman Ouattara. Pour que le nom de Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Pour que Gbagbo soit réhabilité. Ouais. Pour que Gbagbo soit réhabilité. Quand Gbagbo est réhabilité maintenant là. Voilà. Là maintenant, on est content et puis on attend. Parce que si on veut penser à lui, on va prendre celui-là. On va prendre. Y a pas. Moi, je vote personne à part Gbagbo. Ça, il faut que je le dise. Moi, je vote personne à part Gbagbo en 2025. À part Gbagbo, je vote. Et puis, s'il n'y a pas Gbagbo, il n'y a pas élection. Si le pays, là, on doit brûler, on va brûler. S'il n'y a pas Gbagbo, il n'y a pas élection. Ça, il faut qu'on le sache. Il faut que les gens, l'acceptent dans un premier temps. Il faut que ça se sente ancré dans la tête de Draman et tous ses sbires. Moi, Gbagbo, je vous dis ça. Jérôme, attends, ça sera pas moi. Ça sera du balèze. Et donc, encore, Draman se cache derrière un argument fallacieux. Je dirais un prétexte couvert de honte, de honte. Il dit, oui, si on sort pour manifester, il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre ici et là, vont profiter de notre manifestation pour semer le trouble. Ah ouais, d'accord. Donc maintenant là, Draman, ton ouais là, dans ta gueule là, c'est fini. Hein. Quand les éléphants ont gagné là, on a vu la liesse populaire. À ce moment, les gens qui sont tapis dans l'ombre là, ils ne sont pas sortis. Hein. Nous, on sort pour manifester. Un bâtard. Non, manifester. Personne ne peut nous arrêter. Personne, ni rien ne pourra nous arrêter. Tout le monde a vu. Il y a eu une liesse populaire partout en Côte d'Ivoire. C'est un signe que Dieu nous montre. C'est-à-dire que c'est des arguments que Dieu est en train de nous donner. Voilà. Les éléphants ont gagné. Bravo aux éléphants. Hier, là, c'était une liesse populaire partout. Tu n'as pas dit à quelqu'un de ne pas manifester. Nous, on est sorti. Nous, on a manifesté. Il n'y a rien qui a se passé. Ce qui a se passé dans le pays, là, ça s'est passé. Mais nous, là, on va manifester. Nous, on va manifester. Et puis, nom de Gbagbo, là, tu as mettre dessus. Nom de Gbagbo, là, tu as mettre dessus. Il y a à tout le monde. Et ça, il faut que tout le monde puisse le comprendre. Gbagbo, là, s'il n'est pas dessus, il ne suis pas dedans. Ça, il faut que je dise ça à tout le monde. Si Gbagbo n'est pas sur la liste des trois, il ne suis pas dedans. Il ne suit pas dans leur affaire, dans l'affaire de quelqu'un. Ça là, il faut que ça soit clair. Si Gbagbo n'est pas là, il n'y a pas élection. Ouais, ça c'est une réalité aussi. Si Côte d'Ivoire là, on doit vendre. Et puis chacun va avoir son petit jeton, chacun va essayer une nouvelle nationalité. On fait ça. Voilà, on est 27 à 30 millions. Si on a vendu, chacun va avoir au moins 10 millions quelque part. Et puis on s'en va. Les Bill Gates, les peuples peuvent acheter, hein. Les big guys, ils peuvent acheter. Hein, vendre Côte d'Ivoire. Et puis chacun va aller où il veut. Mais Gbagbo doit être sur la liste. Toi, très rapidement. Vous voyez, non? Chers camarades, vous voyez, non? Et puis je tiens à dire quelque chose. Le combat que nous allons commencer là. Que nous allons commencer le 2 mars. Le combat que nous allons commencer le 2 mars là. Il y aura des personnes qui vont nous combattre. Peut-être même des personnes de notre camp qui vont nous combattre. Ça, je dis ça aux camarades qui sont avec nous. Le combat que nous allons entamer, partagez la vidéo, mettez le cœur.
Mettez les gars, le direct a attaqué, mettez les gars. Le combat que nous allons entamer, il y aura des personnes pour nous, pour, qui vont nous combattre. Même dans nos propres camps. Peut-être certains vont, des gens vont nous combattre dans nos propres camps. Ça, je le sais. Ça peut arriver. Mais nous n'allons reculer devant rien du tout. Rien. Le nom de Gbagbo sera inscrit sur la liste électorale. Parce que ce qui arrive à Sonko, là, j'ai suivi l'affaire de Sonko. C'est-à-dire qu'à la lettre, et je sais que c'est ce qui va reproduire en Côte d'Ivoire. Parce que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. L'Occident ne change jamais sa manière de s'asseoir. Ça s'est passé. Chers camarades, pompez les cœurs, pompez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez beaucoup de cœur. Très important. Mettez beaucoup de cœur. Parce que là, ils ont signalé là. Mettez beaucoup de cœur. Donc, informez les uns et les autres. Informez vos frères, informez vos soeurs. Dites-leur que la révolution va commencer en Côte d'Ivoire le mars 2024. Chassez Draman, prendra. Chassez le vieux. Je vous dis que Draman est peureux. Je vous dis ça. Si on a commencé, il vous donne deux jours. Il va mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Deux jours. Et moi, je vous dis ça. Faut pas qu'on ait peur seulement. On a 13 mobilisés à Paris. Paris, là. Mobilisez-vous pour le 13 avril. On va annoncer ça de façon solennelle. Mais déjà, mettez dans vos têtes, le 13 avril, on fait une démonstration de force ici à Paris. En Côte d'Ivoire, mobilisez-vous, le 2 mars, ça commence. On va choisir les villes à la volée. Même Pogo, même Wangolotoukou, même Pundiali, on manifeste. Mais ces gars-là, on manifeste contre Draman. Va croire. Chers camarades d'Afrique. Voilà ce que tu as dit. Maintenant, de l'autre côté. La CDAO, maintenant, comme vous, déjà, il y a un autre poussiste qui s'est ajouté à, qui s'est rajouté à nos révolutionnaires, parce que les Asmila, c'est les révolutionnaires. Donc, Macky Sall est venu, étant un poussiste, il est venu s'ajouter à eux. Tristement, il est venu s'ajouter à eux. Donc, la CDAO doit régler le problème de Macky Sall maintenant avant de parler du problème du Sahel. Sinon, Amar Koutegué. Vous avez compris? La CEDEAO doit régler le problème. La CEDEAO doit régler le problème maintenant de Macky Sall avant de parler de nos problèmes. Sinon, à coup de tout. Ça, c'est la vérité. Donc, mobilisez-vous comme un seul homme. La révolution va démarrer en Côte d'Ivoire en mars 2024. La révolution va démarrer. Je le dis, la révolution va démarrer. Et il n'y a pas deux leaders. C'est le leader là qui vous parle comme ça. Ne vous inquiétez pas. Ça s'est passé. Draman, il va fuir. Personne ne va lui dire de fuir. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique. Voilà. Donc, je vais vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner à la nouvelle page. Gbagbo connaît l'Africain. N'oubliez pas de vous abonner à Gbagbo connaît l'Africain.